Les derniers instants tragiques de Mousse Diouf, enfin révélés. Cela fait plus de 8 ans que Mousse Diouf est décédé, mais sa disparition reste toujours aussi vive dans le cœur et l'esprit de ses proches. L'humoriste Boudère, qui était un de ses plus grands amis, se remémore avec émotion les derniers moments de sa vie. Le comédien de son vivant a subi plusieurs AVC qui l'avaient considérablement affaibli. Il a finalement perdu la vie 3 ans après, en 2012. Boudère se confie. Cela fait plus de 8 ans que Mousse Diouf a quitté ce monde, plus exactement le samedi 7 juillet 2012, après avoir passé plusieurs jours plongé dans le coma. Ses problèmes de santé ont commencé en 2009. Cette année-là, il a subi 2 AVC. Le premier est survenu en février 2009, lorsqu'il était sur scène. Présent ce jour-là, son ami et grand camarade Boudère a raconté avec beaucoup d'émotion ces instants. Boudère était dans le Jarry Show, diffusé sur YouTube. Il a alors raconté cette pénible journée durant laquelle son ami a eu cet accident sur scène. Il révèle que Mousse Diouf était anxieux avant de monter sur scène. Ayant retrouvé son calme, il a commencé son show. Un fait a attiré l'attention de tout le monde. L'acteur parlait d'une manière assez bizarre, au point où les spectateurs pensaient qu'il était bourré. Boudère n'était pas de cet avis, car il savait que son ami n'était pas du genre à consommer de l'alcool. Un sentiment qui s'est confirmé puisque quelques minutes après, Mousse a subi un AVC. Le second AVC est survenu en juin 2009. Mousse est resté en soins intensifs durant plusieurs mois pour finalement retrouver sa maison en juillet 2011. Son état ne s'améliorait malheureusement pas et il a rendu l'âme le 7 juillet 2012. Il a laissé sa femme Sandrine et son fils Isaac dans une profonde douleur. Il est maintenant temps d'avoir de vos nouvelles. Êtes-vous fan de Mousse Diouf? Dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires et parlons-en. Si vous trouvez la vidéo bonne, merci de ne pas regretter un like et de la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.